Bonjour tout le monde. Welcome back for the final stretch of Summit 2020. Les Français suivront dans quelques instants. I hope you all have a really good summit so far. A quick reminder that this session will be held in French. So if you require simultaneous interpretation support, please exit this plenary room and join the live interpretation room now. Alors maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui viennent de se joindre à nous, mon nom est Roberto Ortiz Núñez. Je me joins à vous du territoire traditionnel des peuples Nahua, Popoloca et Tepehua, Puebla, Mexique. En plus d'être l'hôte sommet de cette année, j'ai aussi le plaisir de modérer notre dernière plénière, présentée par Vincent Mousseau et intitulée « Oser contester », tournant vers nos racines radicales pour adresser l'inclusion raciale. Avant d'introduire Vincent, j'ai quelques petits mots à vous partager. Premièrement, dû à des circonstances imprévues, nous avons dû malheureusement annuler la séance F3 à 15h, heure du Pacifique, portant sur les efforts de revendication contre la thérapie des conversions et les efforts des coercitions visant à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Les CBRC explorent présentement la possibilité de présenter un événement en ligne à ce sujet à l'avenir. Nous nous excusons de l'inconvénient. On rappelle aussi que cette session sera enregistrée et publiée avec des sous-titres dans les prochaines semaines. Veuillez, s'il vous plaît, éviter d'enregistrer la présentation vous-même. Continuez à garder en tête les directives communautaires du sommet que vous pouvez trouver dans le programme du sommet en ligne. Puis, alors que nous nous approchons de la fin du sommet, nous vous encourageons aussi à aller écouter les présentations d'affiches et à participer à la sonde du réseautage. Pour cette présentation aussi, on vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans les commentaires, soit en anglais ou en français. On va le poser à Vincent en français, puis ils seront traduits vers l'anglais pour la salle alterne pour l'interprétation vers l'anglais. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant introduire notre dernier conférencier invité pour ce sommet, Vincent Mousseau. Vincent est un travailleur social, conférencier et organisateur communautaire basé à Yoyague, Montréal. Salut Vincent, bienvenue. Sur les territoires non cédés de la nation Ganyengegaga, Mohawk. Est candidat à la maîtrise à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Et elle détient également un baccalauréat en travail social de l'Université McGill. Comme activiste et conférencier, ses champs d'expertise sont la structure anti-oppressive, les stratégies de sensibilisation communautaire auprès des communautés queer et trans racisées, l'analyse intersectionnelle, l'activisme Black Lives Matter et l'activisme queer anti-assimilationniste. Puis, sur le plan académique, elle s'intéresse à la création des espaces LGBTQ+, intergénérationnels et intersectionnels, ainsi que les impacts des modèles de développement identitaire sur l'intervention auprès des populations noires de S-LGBTQ+. Vincent, je dépasse la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, je dois vous dire que au tout début, juste avant de me connecter ici, je me suis rendu compte que j'avais perdu les notes de la dernière partie de ma session. Donc, je vous avoue que je suis un peu nerveux. Vous avez sûrement remarqué que vous allez sûrement remarquer un petit changement dans mon ton de voix, mais sachez que ça vient du cœur et que je vous parle vraiment de mes expériences rendues là. Donc, ma présentation qui est juste ici. Merci. D'abord, comme Roberto a mentionné, je pense que c'est important pour moi d'abord de reconnaître que les terres sur lesquelles je me trouve présentement, qui sont les territoires autochtones à lesquels n'ont jamais été cédés. La nation Ganyengegaga est reconnue comme gardienne de ces terres et ses eaux. Tjotjage, Montréal, est connue historiquement comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je souligne les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.
notamment en tant que travailleur social, je pense que c'est important pour moi de reconnaître le rôle nocif qu'a joué le colonialisme dans l'application des valeurs néocolonialistes comme l'hétéronormativité et la cisnormativité, des systèmes oppressifs qui contribuent activement à l'effacement des conceptions autochtones de la diversité sexuelle et des genres. Tel que j'ai mentionné aussi en tant que travailleur social, je ne l'ai pas inclus, mais je veux vraiment que ça vienne du cœur, c'est de reconnaître que le travail social comme profession a contribué largement au système de pensionnat, autochtones, ainsi qu'au 60s scoop et à la surreprésentation, jusqu'à ce jour, à la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de la protection de la jeunesse. C'est une responsabilité que j'ai dans ma profession de reconnaître ça d'abord et avant tout et de reconnaître l'impact que ça peut avoir. Et merci d'ailleurs à le soleil de Châteauguay pour la prise de cette photo au Power de Ganawagay sur la rive sud de Montréal. Voici une carte de Chautauqua pour celles et ceux qui n'en sont pas familiers. Ça vient du Decolonial Atlas que vous pouvez trouver assez facilement en faisant une petite recherche sur Google, que je vous conseille fortement d'ailleurs de reconnaître les noms autochtones de des territoires sur lesquels nous nous trouvons. C'est une étape importante à la décolonisation selon moi et je m'efforce à chaque fois de vraiment prendre le temps pour reconnaître cette réalité-là. C'est moi. Donc, comme on l'a mentionné, mon nom est Vincent Mousseau. J'utilise les pronoms « yel » avec des accords masculins. En anglais, j'utilise le pronom « they, them ». Je suis organisateur communautaire, conférencier et activiste noir, queer et trans, ainsi que travailleur social professionnel à la clinique médicale L'Actuelle. Comme on a mentionné, je suis candidat à la maîtrise en travail social à l'Université de Montréal où je mets l'accent sur les modèles de développement identitaire et les impacts sur les personnes noires LGBTQ2+. J'ai aussi un baccalauréat en travail social de McGill. Mon implication communautaire est principalement auprès des mouvements Black Lives Matter, les mouvements queer radical, ainsi que le militantisme anarchiste. Et mes intérêts de recherche sont l'accès aux soins de santé et aux services sociaux pour les personnes noires, gays, bisexuelles, trans, queer et les autres RSA. Les théories queer radicales, la prévention du VIH, surtout auprès des populations marginalisées. Et les droits des travailleurs et travailleuses du sexe et l'analyse féministe intersectionnelle. Sans plus tarder, on va commencer. J'ai décidé de séparer ma présentation par des citations des gens qui m'ont inspiré tout au long du processus d'écriture. Voilà. La première, le passé est la seule chose qui rend le présent cohérent. Vous le voyez venir, là. D'abord, je veux reconnaître que nous ne nous trouvons pas dans un cours d'histoire, on est dans une conférence où on parle ouvertement de la réalité des personnes, de l'histoire de notre communauté, dis-je bien, pendant des jours et des jours. Je n'ai pas à vous faire la leçon, puis je ne veux pas non plus gaspiller mon temps pour le faire. Mais je pense que je voulais vous faire remarquer justement le fil qui passe dans tout ça, ce qui est la manque de représentation des personnes LGBTQ2+, noires et racisées au sein de ces mouvements. Donc, les photos qu'on a ici, des photos des personnes qui ont été présentes dans les balls à New York, des personnes qui ont été présentes dans les manifestations devant Compton's Cafeteria au San Francisco. Je pense que pour moi, c'est important pour nous de reconnaître cette histoire et de nommer ces photos-là. On voit souvent un blanchissement de notre histoire en tant que personne de SLGBTQ+. On l'a vu avec le film de Roland Emmerich, Stonewall, où c'était un homme cis blanc qui jetait la première pierre dans une fenêtre au Stonewall Inn à New York, carrément insultant, considérant la contribution majeure, les contributions, dis-je bien, majeures des personnes noires LGBTQ2+, dans ces mouvements. C'est un truc qui est très, très inquiétant pour moi. Il faut considérer comment on est passé de cette réalité-là où les personnes noires et autochtones et autrement racisées de SLGBTQ+, menaient
nos mouvements nous apporter vers quelque chose de vraiment libérateur et qu'on soit rendu où ce qu'on est présentement. Le shift qui me vient souvent en tête lorsque je pense à ça, c'est le discours « Y'all better quiet down » de Sylvia Rivera au Christopher Street Freedom Day au début des années 70 à New York, où elle se fait hurler des insultes, qu'elle doit sortir de la scène, et parce que justement, elle se dit dans son discours, on a une obligation de nous assurer que nos mouvements ne deviennent pas un club pour les hommes blancs de la classe moyenne qui sont là pour coopter un peu les idées révolutionnaires et les idéaux, les idées révolutionnaires qui alimentaient le mouvement jusqu'à ce moment-là. On ne l'a pas écouté, paraît-il. On se trouve à célébrer des mouvements pour le mariage, les mouvements pour être inclus dans des forces militaires, pour pouvoir maintenir l'impérialisme dans les pays, dans d'autres pays. On se lutte maintenant pour ça. Je me dis que Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson, en voyant ça, devraient avoir une réaction de ouf, quoi. Et justement, on voit justement cette idée de la libération qui passe justement par l'appareil étatique. Et on le voit, et ça, on le voit avec de façon le plus claire avec la présence de Pete Buttigieg et de sa tentative d'élection pour devenir le président, le nominé démocrate pour à la présidence. Et comment ça a été célébré au sein de nos communautés. C'est une dynamique qui nous pousse vers une assimilation vers quoi, au juste? Comme j'ai mentionné, est-ce que c'est une assimilation pour aller lutter dans les guerres puis de tuer des personnes noires et brunes et autochtones d'autres pays? Est-ce que la libération queer va venir du fait qu'on se marie puis qu'on habite dans la banlieue de Laval avec notre deux enfants et demi puis une piscine hors terre? Est-ce que ça passe par l'élection d'un homme gay, blanc, impérialiste, militaire, ex-militaire, dis-je bien, qui voulait dire ça? Ben non. Et on le sait, il y a des problèmes. Je voulais vous parler du clivage qui s'est formé dans notre communauté depuis ce moment-là, depuis ce fameux discours de Sylvia Rivera. Le clivage qui s'est formé entre et le shift qui a été fait pour nous diriger vers des politiques qui favorisent de manière disproportionnelle les réalités des hommes cis blancs. C'est une dynamique qui existe jusqu'au présent et je veux vous en parler. D'abord, on passe à la prochaine citation. Il est certain, en tout cas, que l'ignorance alliée au pouvoir est l'ennemi la plus féroce que la justice puisse avoir, de James Baldwin. Si vous suivez les médias francophones, vous auriez peut-être vu un article qui est sorti le 3 novembre. La honte de sortir qu'un article de la sorte le jour même de l'élection d'un potentiel fasciste aux États-Unis, mais bon. C'est une lettre qui vient de Sébastien Caron, qui était publiée dans Le Devoir, qui nous parle de l'initiative de la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, de assurer que les personnes qui résident présentement dans un campement sur la rue Notre-Dame parce qu'ils se sont trouvés expulsés de leur logement ou ont de la difficulté à trouver un logement pour l'hiver, qui seront déménagés vers un hôtel qui est vide, on s'entend, c'est un hôtel, là, on est en temps de pandémie, qui s'appelle l'Hôtel du Puy. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent le village, vous allez vous rendre compte que l'hôtel, c'est justement en face, au tout début du village, d'ailleurs que je vous montre sur une carte ici. L'Hôtel Place du Puy, qui se trouve juste à côté de la place Émilie-Gamelin, où il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Et la rue Sainte-Catherine qui a déjà plusieurs enjeux
plusieurs difficultés présentement avec l'itinérance. Je veux vous lire une citation de cet article, juste pour vous en parler de la... du culot que ça prend de publier quelque chose de la sorte. Le lendemain, on apprenait par les médias que le campement de la rue Notre-Dame serait déménagé dans l'hôtel Dupuis, dans le village. 380 nouvelles chambres. L'initiative est louable, certes. Il faut protéger ces gens vulnérables de l'hiver qui approche à grands pas. Mais pourquoi encore dans le village? Ces commerces sont déjà en péril et ne pourront survivre à un tel projet. Régulièrement, les clients me disent qu'ils n'ont plus envie de venir dans le quartier parce qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité. Les élus semblent avoir décidé de sacrifier le village pour en faire un Downtown East Side de Vancouver ou un South Central de Los Angeles. L'impact sur la vie socio-économique du quartier sera grave. Serons-nous indemnisés pour cette nouvelle perte de revenus qui s'ajoutera à celle déjà causée par la COVID-19? D'abord, le culot que ça prend pour publier quelque chose de la sorte, là, c'est carrément insultant en même temps. Hein? C'est justement la contribution de cette ignorance. Je suis à perte de mots, je dois vous le dire honnêtement. Là, à chaque fois que je le lis, je suis frustré. Comme on l'a mentionné, moi, je travaille dans le village. Je travaille en tant que travailleur social à la clinique médicale actuelle, en plein centre du village. Je vois régulièrement des gens passer. J'aide souvent des personnes qui sont en situation d'itinérance et qui ont de grands enjeux, de grandes difficultés dans leur vie. Qui viennent dans le quartier parce qu'ils savent que justement je ne vais pas être jugé, je peux devenir qui je suis, je peux être la personne que je suis, peu importe le fait que j'ai de l'argent ou non, peu importe tout ça. Ça, totalement inacceptable comme comportement. C'est justement une ignorance de notre parcours collectif et l'oubli de nos racines radicales qui peuvent mener à ça. Est-ce qu'on a déjà oublié la présence les réalités que vivaient les hommes gays et bisexuels, les lesbiennes, les personnes trans, les personnes, les femmes bisexuelles d'ailleurs, je ne suis pas pour exclure qui que ce soit. Pour moi, c'est ridicule. On voit un article comme ça et on se demande comment ça se fait que cette personne-là n'a pas regardé vers les statistiques qui affectent nos communautés. On sait déjà qu'il y a une surreprésentation, pas que parmi les jeunes en situation d'itinérance au Canada, 40% de ces jeunes sont de la communauté LGBTQ2+. Parmi eux, un taux disproportionnel sont aussi des personnes racisées, sont aussi des personnes qui vivent de la difficulté supplémentaire. Ça me rappelle en fait d'une autre histoire que je veux partager avec vous. Une personne, un très haut dirigeant de Fierté Montréal qui à un moment donné rentrait dans un bar du village et commençait à parler il faut qu'on sorte les utilisateurs de drogue, puis les citations, les drogués du village, ça n'a pas sa place ici, et tout ci et ci et ça. Je descends pour rentrer hors salle de bain par la suite et la personne est en train de faire une ligne de coke sur une toilette. Pas comme s'il n'y a rien de mal à faire de la coke, mais on peut juste avoir un peu de cohérence, s'il vous plaît. Qui sont considérés les bons consommateurs de drogue? Qui sont les mauvais? La question se pose. Désolé, j'essaie de trouver les... Voilà. Ça me rappelle aussi de la réalité de l'attaque, après l'attaque de Pulse à Orlando, le collectif Carré Rose à Montréal, qui s'est positionné comme représentant de la communauté entière. Le collectif Carré Rose, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, sont un collectif de personnes majoritairement blanches et un grand allié du service de police de la ville de Montréal, revendiquant la présence de plus de sécurité, plus de policiers et plus de caméras de sécurité dans le village pour protéger la communauté, entre guillemets. S'ils ont seulement pris un peu de peine pour regarder un peu à l'arrière, désolé, j'ai des problèmes de ouf à trouver mon souris. S'ils ont seulement pris la peine de regarder un peu en arrière, ils auraient vu que la police est parmi les plus homophobes, transphobes et racistes du Canada entier.
est l'un des plus violentes aussi, ayant déjà été condamné plusieurs fois par l'ONU pour leur brutalité, notamment pendant les grèves étudiantes de 2012. I guess que la protection des vitrines de la rue Sainte-Catherine sont plus importantes que la solidarité avec les personnes les plus vulnérables de nos communautés de SLGBTQ+. Je veux continuer à discuter de cette réalité, de l'oubli de notre histoire collective, en vous citant deux incidents que j'avais confrontés dans mon travail en tant que personne qui fait des conférences, qui fait de la consultation pour des organismes de SLGBTQ+. D'abord, je vous parle de la réalité du Youth Project, un organisme qui se trouve en Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le Youth Project se situe dans un quartier majoritairement, historique qui s'appelle le North End, une communauté qui a vu une population grandissante des personnes noires afro-néo-écossaises, notamment venant de la destruction de Africville au fin des années 60. J'avais fait un peu de travail de consultation avec cet organisme-là et je voulais vous en parler de cette réalité-là. Il se trouve en plein centre de ce quartier historique noir. Lorsqu'on y allait, il n'y avait aucune personne racisée qui y travaillait. Il n'y avait aucune personne racisée qui était présente lorsqu'on rentre dans l'espace. Il n'y avait aucune personne racisée à la haute direction de l'organisme et il n'y avait aucune personne racisée sur le conseil d'administration. Bon, on s'entend, il y a un problème ici, parce que l'organisme se trouve en plein centre d'une communauté qui est largement racisée, qui est cible justement d'une violence sans fin, de la présence policière grandissante, de vraiment d'enjeux, beaucoup d'enjeux. Lorsque confronté sur ça, j'étais très clair. Je voulais dire justement, je voulais à la base leur parler de la réalité, leur contribution à l'embourgeoisement et la gentrification du quartier en tant qu'organisme qui ne cible pas les réalités des personnes noires. Mais j'ai mentionné quelque chose de très clair. J'ai mentionné que si il y a une personne, et je m'excuse pour ça, c'est un peu difficile à entendre, mais je les ai dit, si il y a un jeune noir qui rentre dans votre organisme et ne se voit pas nullement représenté au sein même de sa propre communauté, qui est en train de découvrir son identité, de faire son coming out, qui a des enjeux de santé mentale, qui veut parler avec quelqu'un et ne se voit pas représenté du tout. Et en fonction de ça, cet enfant-là se rentre à la maison et se dit « Ah, j'imagine qu'être gay, c'est un truc de blanc, c'est pas pour moi. » Puis il commence à se blesser. Il se suicide. Vous êtes responsable pour ça. Parce que vous avez pris le choix de ne pas entamer le travail nécessaire pour pouvoir le faire. Et je le sais parce que j'étais cet enfant-là. Moi, j'ai rentré dans les services. Je cherchais des endroits où je pouvais accéder à des services qui sont adaptés en plein centre-ville de Toronto. Et je rentrais dans des espaces qui étaient... lorsque je faisais mon coming out, il y a peut-être 15 ans d'être là. Je rentrais dans des espaces et je me voyais tellement peu représenté. Je me disais que ça ne peut pas être mon identité, que je dois faire quelque chose. Et je me suis blessé. J'ai eu de la difficulté. Heureusement, je suis ici avec vous de pouvoir vous en parler. Mais l'impact de ces décisions-là, l'impact de ne pas faire le travail nécessaire pour assurer que nos organismes commencent à bien représenter les communautés dans lesquelles on se trouve, c'est un choix. Et de ne pas faire ce choix-là, cool. Vous faites le choix-là, mais assumez-le. Parce que si moi, je rentre dans ce service ou un jeune comme moi rentre dans ce service-là, leur sang se trouve sur vos mains, carrément. La réponse a été de rentrer immédiatement sur la défensive. De dire, oh, ça ne peut pas, ça ne se peut pas, il y a un enfant qui s'est suicidé récemment, je ne peux pas tolérer ça, qu'on me dise que c'était de ma faute et tout ça. Mais la réalité, c'est ça. C'est que vous n'avez pas fait assez de travail. Et peut-être que ce n'était pas volontaire, c'était pas intentionnel. J'en suis certain que ce n'était pas intentionnel de vouloir blesser cet enfant-là. Mais c'est quand même passé. Puis on se doit d'assumer cette responsabilité-là. C'est difficile à entendre, mais ça donne ça.
Je vous parle aussi d'une autre expérience qui s'est passée à Montréal pendant la soirée Excellence, qui est la première année qu'on a fait une soirée qui était réservée aux personnes queer trans racisées. On a créé un espace qui s'appelle Fierté Montréal avait créé un espace qui se disait l'espace Cutie BIPOC, voulant dire queer trans Black Indigenous People of Color. Cet espace-là a été censé d'être un espace plus sécuritaire pour assurer qu'on peut se réunir en tant que communauté, on peut partager notre histoire. C'était une excellente initiative. Et c'était la même année que Fierté Montréal avait décidé de passer du parc Émilie-Gamelin au parc des Faubourgs pour avoir un plus grand territoire. Parfait. Cette même année-là, cette soirée-là, on a vu en fait ce qu'a vraiment fait l'espace Cutie BIPOC. Ça a servi de cible. La police qui était présente sur le territoire passait un temps disproportionnel autour de cet espace-là. Et à un moment donné, lorsqu'il y avait une jeune personne non-binaire, noire, qui était en train de fumer un joint, on s'entend juste avant la légalisation du cannabis, la personne était en train de fumer un joint avec leurs amis, se fait menotter. Au lieu de le faire sortir par la sortie la plus près, on la menotte avec les mains derrière le dos. On lui force à traverser tout le parc, qui est quand même un grand parc. Et la honte que ça a causé pour cette personne-là. Encore, et de plus sur la soirée Cutie BIPOC, la soirée qui était réservée pour nous, pour célébrer notre talent, nos intérêts, nos contributions à la culture, à nos communautés. Et on voit ça. Bien entendu, comme vous pouvez voir sur la photo, on n'a pas toléré ça. On est monté sur scène. On a pris la scène et on a dit, vous n'allez pas profiter de notre talent artistique, vous n'allez pas profiter de notre poésie, de notre musique, vous n'allez pas profiter de nos contributions à la communauté tant et aussi longtemps que vous ne prenez pas la peine de dire que Black Lives Matter et que les flics n'ont pas leur place dans nos fiertés. Je m'en rappelle d'être sur scène là-bas, je suis un peu dans le noir dans la photo, vous ne me voyez pas, mais... En se faisant, en parlant, il y avait une personne, lorsqu'on demandait aux gens de crier Black Lives Matter et de revendiquer nos droits, il y avait une personne qui nous criait All Lives Matter en pleine face. Le sentiment que j'ai eu de voir une personne dans ma communauté sur une journée où on célébrait nos talents, nos contributions à cette grande communauté, de faire ça, ça m'a brisé le cœur. Et j'y pense constamment. J'y pense en faisant mon travail, j'y pense lors de mon activisme, j'y pense parce que j'ai fait tellement de travail pour la communauté LGBTQ2+, et de me voir crier quelque chose comme ça en pleine face alors qu'on revendiquait le droit de ne pas être arrêté et humilié devant une foule de personnes, c'est agressant. C'était très agressant. Quel est le fil commun de tout ça? Vous auriez peut-être deviné avec la citation de tantôt, c'est l'ignorance et c'est le pouvoir. L'ignorance quant à l'histoire de nos communautés, l'ignorance quant au rôle qu'ont joué leurs organismes à maintenir les systèmes de pouvoir, les systèmes existants et le pouvoir. Le refus de voir les impacts d'un contexte social, d'un contexte social de la suprématie blanche et du racisme. Le refus de reconnaître les dynamiques de pouvoir qui existent au sein même de notre communauté et un refus de vouloir réellement adresser les problèmes de représentation au sein de nos organismes. Troisième citation. Je suis un homme de substance, de chair et d'os, de fibres et de liquides, et on pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez, simplement parce que les gens refusent de me voir. Une citation de Ralph Ellison. C'est à ce point-ci que j'ai perdu mes notes. Fait que vous m'excuserez si j'ai un peu de difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, j'avais pris cette photo très précisément pour saluer le travail de Black Lives Matter à Vancouver qui lutte d'arrache-pied dans une communauté qui a un très faible taux de représentativité des personnes noires pour assurer que nos luttes, nos contributions à nos communautés soient mises de l'avant. Peu importe la démographie de nos communautés. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de travail à faire. D'abord,
Et avant tout, ça commence en reconnaissant justement les dynamiques que j'avais mentionnées tout à l'heure. De reconnaître qu'il existe des dynamiques de pouvoir à l'intérieur de nos communautés qui ont des impacts sur nous. De prendre la peine de challenge quand ça devient difficile la réalité que l'on vit en tant que personne queer et trans racisée, d'assurer qu'il existe des espaces qui nous sont réservés. Et d'ailleurs, j'en parle dans une prochaine présentation. Je voulais d'abord vous parler d'une dynamique que j'avais confrontée beaucoup dans mon travail avec des organismes communautaires et j'aimerais d'ailleurs remercier le travail de Coco pour ça. Il y a ça, sûrement certains d'entre vous qui ont déjà vu ce graphique-là. La réalité des femmes racisées dans le milieu du travail qui m'a impacté aussi, même que je ne suis pas femme, je n'ai pas toutes les réalités qui en sont présentes. Mais je voulais le défaire avec vous, puis de vous parler de mes expériences, notamment avec un organisme pour lequel je fais un peu de travail présentement, l'organisme Réseau à Montréal. Je ne dis pas ça à la légère, j'ai beaucoup de valeur j'ai beaucoup d'importance, j'accorde beaucoup d'amour pour le travail que fait cet organisme-là, mais j'ai vécu des choses quand même et je voulais vous en parler. La personne racisée qui rentre dans l'organisme sous une direction blanche. On a la période de lune de miel. Le tout va bien, la personne se sent la bienvenue, contente, impliquée. C'était justement mon cas. En rentrant chez Réseau, je me sentais accueilli. J'avais une histoire de travail avec l'organisme. J'avais déjà travaillé avec l'organisme par le passé. Donc, c'était très bien. J'étais embauché pour faire un projet que d'ailleurs je vais vous présenter tout à l'heure. Qui est un projet communauté qui se présente dans une des salles breakout. J'étais embauché justement parce que, oui, j'ai des compétences nécessaires, mais je suis aussi une personne noire. Et il fallait que des personnes noires soient embauchées pour faire ce travail-là, bien entendu. Très vite après, j'ai commencé à vivre des microagressions dans le milieu de travail. Des gens qui commencent à me parler des réalités que vivent les personnes noires, le fait de découvrir qu'une des personnes dans la haute direction a une fétichisation pour les personnes noires et qui saute directement sur toutes les occasions nécessaires pour aller dans les événements qui nous concernent, pour justement un peu nous cruiser ou je sais pas trop quoi. Je vois la manière dont les personnes noires et racisées sont traitées dans l'organisme et ça commence à m'affecter dans mon travail. Bien entendu, le cadre de mon travail, c'était de présenter un rapport pour parler de ces réalités-là. Donc, j'ai pu mettre en évidence des problèmes, d'essayer de travailler dans le cadre du système, de parler justement avec la direction, parler des enjeux qui se sont arrivés. Et d'ailleurs, j'aimerais là-dedans saluer le travail extraordinaire de nos co-directeurs qui ont pris la peine de vraiment m'écouter dans tout ça et de réclamer la responsabilité sur l'organisme de changer. Ça, je le dirais, que je le présente dans mon rapport final que vous allez voir prochainement. L'organisme court sur la défensive. Je fais des recommandations qu'on doit changer la composition de notre conseil d'administration. Il y a des changements qui sont faits, on en discute. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est pas la bonne chose à faire? Et ainsi de suite. Ça continue. Mon contrat se terminait. Il n'y avait personne pour prendre la relève de mon travail et j'avais souvent la responsabilité d'essayer d'adresser les enjeux en question. Pendant la période que je travaillais pour l'organisme, on a eu tout ce qui s'est passé autour de George Floyd aux États-Unis. À ce moment-là, Réseau, et d'ailleurs j'en suis très fier, a sorti un statement très rapidement, quasi immédiatement. On s'est joint au comité pour définancer la police à Montréal. On a fait un statement et le tout était bien. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on vient vers moi pour relire le statement, que je suis très content à faire d'ailleurs, je dois clarifier. Mais je ne suis pas payé plus pour le faire. Il n'y a pas une reconnaissance de comment c'est difficile. Ça serait difficile de parler de ça et de faire ce travail-là et de soutenir l'organisme qui voulait sortir un statement assez rapide. Et l'impact que ça a eu sur moi n'a jamais été considéré jusqu'au moment que mon contrat était terminé et j'avais confronté les administrateurs par crainte justement de représailles supplémentaires.
Ça ne s'est pas passé dans mon cas, mais je pense que dans d'autres cas, l'organisme peut décider que le problème il vient de la communication et pas forcément de leur dynamique, de la présence de la suprématie blanche et tout dans leur organisme. Et la personne racisée est juste pas qualifiée ou convient pas ou répond pas à la dynamique, à l'esprit d'équipe et des trucs comme ça. Et la personne devient la cible des attaques. La personne qui est de l'organisme. C'est très présent comme dynamique de pouvoir dans les organismes. C'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, qui me déçoit beaucoup que ça soit aussi présent dans les communautés. Une autre dynamique que je tiens à mentionner, c'est l'idée que de la personne racisée qui va venir sauver l'organisme. Quand l'organisme est sur le bord de vraiment tomber, la personne racisée est apportée pour genre améliorer puis gérer la situation. On ne réfléchit pas sur sa contribution, sur comment la personne se sent en faisant ce travail-là, si la personne est bien encadrée et tout, et tout, et tout. La dynamique est là. Alors, il y a beaucoup de travail à faire au sein de nos organismes. Pour moi, la première chose, c'est de reconnaître une chose. J'ai vu beaucoup de beaux statements comme quoi Black Lives Matter, comme quoi nous allons changer nos politiques, nous allons changer nos habitudes, nous allons commencer à nous reconnaissons qu'il y a un problème et tout et tout et tout. Et la liste est longue d'organismes qui ont fait ce travail-là. Mais combien d'entre ces organismes-là ont vraiment pris la peine de regarder autour puis de dire qui sont les personnes qui sont représentées au sein de notre organisme? Qui est dans les postes d'autres directions de nos organismes? Qui sont les personnes qui font l'administration au quotidien? Qui sont les personnes sur nos conseils d'administration? Agir en tant qu'allié est beaucoup plus que de juste sortir, rentrer de beaux paroles, puis faire des belles gestes, puis ça y est, on est des alliés, puis tout le monde, check nous, les personnes noires, tu peux venir nous voir maintenant, parce que check, on n'est plus raciste. C'est pas le fun de reconnaître son privilège dans la dynamique, mais faut comprendre que des fois, agir en tant qu'allié, c'est de dire, des fois, de commencer à se regarder, puis de dire, ah, il y a un poste qui est disponible. Est-ce que je devrais appliquer pour ce poste-là ou est-ce que je devrais essayer de travailler pour valoriser la contribution d'une personne noire ou une personne autochtone ou une personne autrement racisée qui pourrait contribuer à ça? Est-ce que la réalité est que je devrais être présent pendant... Qui est la personne que je veux référer pour être sur notre CA? Qui est la personne qui va être référée pour être sur les comités consultatifs? De commencer à réfléchir sur ce travail-là. Puis des fois, de reconnaître que d'agir en tant qu'allié, c'est des fois d'aller contre ses propres intérêts économiques, personnels, émotionnels. Tu sais, la promotion, la poste à la direction d'un organisme quelconque, ça peut bien paraître, mais quels seraient les impacts pour les communautés racisées si on mettait une personne racisée dans ce poste-là? Puis il faut le considérer, puis on le fait souvent pas. Donc oui, des beaux statements, oui, de belles gestes, de beaux gestes et de solidarité, puis de se joindre au comité pour définancer la police, puis oui, il faut tout ça. Mais il faut aussi qu'on regarde vers l'intérieur, qu'on se tourne vers l'intérieur, puis de regarder les façons dont nous, on contribue à ça dans nos systèmes de gouvernance, dans nos systèmes comme ça. Je sais que beaucoup que j'ai dit ici était difficile à entendre, mais je vous fais réfléchir un peu. En écrivant un peu mon texte, je disais que justement, ça allait être très difficile. Est-ce que je devrais le calmer? Est-ce que je devrais pas nommer des noms? Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais faire ça? Mais ensuite, j'ai réfléchi et j'ai trouvé par hasard une citation de Dominique A.R. Jackson, la célèbre comédienne qui était présente, qui représente Electra Abundance dans Pose, qui acceptait un prix au Human Rights Campaign. Elle parlait de l'idée de l'acceptation et l'idée du respect. Elle dit avec une force
inébranlable et tellement inspirante. Elle dit « Vous ne me direz plus jamais que vous m'acceptez ou que vous me tolérez. Ce n'est pas votre pouvoir de le faire. Je vous le retire. Vous allez me respecter pour qui je suis. » En faisant mes revendications dans cette façon-là, en vous parlant ouvertement de mes expériences, en vous parlant de la façon dont j'ai vécu mes expériences avec des organismes communautaires en tant qu'intervenant, en tant que chercheur, en tant que consultant, je vous le dis pour partager ma réalité et d'exiger le respect, non seulement pour moi, mais pour d'autres personnes racisées qui se trouvent dans les mêmes situations, pour mes communautés qui me tiennent tellement à cœur, qui m'encouragent à devenir la meilleure personne, qui informent chaque partie de mon expérience, qui influencent qui je suis devenu. C'est plus une question. On doit commencer à regarder, à retourner. Vous voyez, j'avais commencé la présentation en vous montrant des femmes trans et noires. Je vous finis ça en vous montrant des photos d'une femme trans noire qui, 50 ans, 60 ans, 70 ans après, sont toujours en train d'exiger le respect qu'on ne les accorde pas, qu'on n'accorde pas aux personnes de nos communautés. Il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que ça nous le démontre. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Comme on a mentionné, je vous encourage à poser vos questions en français ou en anglais dans la boîte de chat qui seront partagées avec moi qui seront traduites en français et ensuite passées par l'équipe de la traduction. Si vous voulez me contacter, mes informations se trouvent sur la page ici et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci, Vincent. Comme d'habitude, c'est des discussions. C'est toujours le fun de pouvoir t'entendre et avoir des discussions. Puis, est-ce qu'on peut garder Vincent à l'écran aussi pour les questions? OK, on va essayer de faire revenir Vincent. On vient de le perdre. Mais, s'il vous plaît, commencez à écrire vos questions dans les chats, soit en anglais ou en français. Puis on va nous les faire passer en français. On va répondre, demander et répondre en français, mais vous saurez votre traduction via la salle où vous êtes, où on fait la traduction simultanée. Donc, Vincent est en train de reload le StreamYard. Ce ne serait pas une conférence sur Zoom si on n'avait pas fait ça. Hein? Absolument. On est juste rentré dans le thème de la pandémie. Exact. Bon, on attend les questions. On va commencer à les recevoir sous peu. Mais en attendant, je voulais revenir sur certaines des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent au niveau personnel, au niveau des choses que j'ai vécues dans les 11 dernières années depuis que je suis au Canada. Puis, je pense qu'une des choses que tu soulèves qui est une constante, puis pas juste dans les organismes communautaires, mais en général dans notre société, c'est les réponses défensives. Oui. Comment dirais-tu que, comment qu'on peut, en tant que membre d'organisme communautaire, membre de la communauté, chercheur, faire du travail avant pour que quand ces réflexes, quand ces observations, quand ces critiques viennent, on puisse répondre d'une façon plus réceptive ou faire du travail avant. Outre toutes les recommandations, évidemment, pour avoir la représentation et d'autres situations avant, mais si ça arrive qu'on a une critique, quelle serait une meilleure réponse? Bien, je pense que ça dépend tellement de la dynamique dans nos organismes. Je veux pas dire que, tu sais, c'est très difficile. Moi, je dirais que une dynamique que je rencontre beaucoup, c'est justement ce réflexe de comme courir sur la défensive.
Moi, ma stratégie, ça fonctionne très bien parce que je sais que j'ai le comportement pour pouvoir le faire, puis je suis quand même souriant et je suis quand même tout ça, mais je ne tolère pas ces genres de questions-là. Je suis comme, vraiment, est-ce qu'on est en 2020 puis on commence à se poser des questions de comment de courir sur la défensive comme ça? Non. En même temps, ça peut dépendre du contexte. D'abord, est-ce que moi je suis payé pour adresser ces enjeux-là? Parce que la réalité, c'est que souvent, les personnes racisées dans nos instances sont appelées pour faire ce travail-là, sont pour faire le travail de genre, ah, j'ai un statement, on sort un statement sur Black Lives Matter, est-ce que tu pourrais juste le revoir? Oh, on fait ci, on fait ça, est-ce que tu peux faire ça? C'est beaucoup de travail supplémentaire pour lequel on n'est pas payé. Il existe des personnes qui font ce travail-là, qui le font très, très bien. Et qui ne sont jamais consultés dans ce travail-là. Je le vois dans mes consultations, dans le travail consultatif que je fais. Je suis souvent approché pour parler des enjeux, et ce, depuis l'affaire de Black Lives Matter avec l'instance de George Floyd, on a eu de la difficulté. C'était vraiment intense, mais finalement. Quand j'ai reçu des trucs, puis je commençais à donner mes tarifs au monde, je commençais à ne plus avoir de réponse. Les gens ne sont pas prêts à payer pour le travail qui est nécessaire. Ça fait partie de la suprématie blanche, en fait. On attend à ce que les personnes nous parlent de leurs expériences. Moi, ce que j'aime dire, c'est que, hey, personne blanche, le système ça a été créé pour vous bénéficier, pas moi. Pour faire ce travail-là, il faut que je sois reconnu en tant que travailleur à la base, mais mon travail a une valeur. Et à la base de commencer par ça. Puis de vraiment adresser cet enjeu que comme, ah, c'est souvent les personnes racisées qui doivent faire le travail. Et ça devient vraiment tricky. Je vois qu'on a une question, puis je ne veux pas prendre trop de temps, mais voilà. Je vais te la poser, c'est parce que c'est plein, c'est bien, c'est tellement direct avec ce que tu viens de mentionner, mais quelqu'un se demande s'il n'y a pas de ressources pour certains organismes, comment qu'ils peuvent être solidaires avec des communautés racisées s'ils ne peuvent pas payer pour le travail? Ben c'est clair, informez-vous. Prenez le temps pour faire vos lectures. Prenez le temps, accordez à vos employés le temps pour faire de la recherche sur le sujet, pour ensuite, justement, passer pour devenir un peu mieux. Puis, de ne pas courir sur la défensive tout de suite après. On apprend par nos expériences, on apprend par les réalités, ce qu'on vit. Lorsqu'une personne vient nous voir puis qui nous dit « Ah, cette chose que vous avez faite, ça m'a un peu blessé. » Au lieu de dire « Ben là, c'était pas notre intention de faire ça », c'est de reconnaître, de dire « Oh, j'ai pas su que ça aurait pu être blessant en tant que dynamique. Je veux prendre un moment d'abord de reconnaître, de remercier la personne d'apporter ça à notre attention. » Ensuite, de passer et de dire, on va essayer de faire mieux. Si tu as des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait faire, on les apprécierait. On sait que ce travail-là, vous n'êtes pas obligé à le faire. Sinon, on va passer du temps à le faire nous-mêmes. Puis, on va changer. La meilleure chose à faire, les meilleures excuses sont un changement dans nos comportements. Et souvent, on ne le voit pas. On se voit un pattern d'excuses de ça. Et ça n'aide personne. On veut que des organismes comme Réseau, comme le Youth Project, comme Fierté Montréal soient inclusifs. Il n'y a rien contre ces organismes-là, mais c'est de reconnaître le travail et ensuite d'agir en conséquence, ce qui n'est souvent pas fait. Oui, en effet. La prochaine question, on a deux autres questions. On a quand même du temps. On doit finir la session 5 minutes d'avance pour pouvoir aller dans les prochaines. Mais quelle suggestion que tu aurais pour les organisations de la fierté qui font face à des pressions par leurs commanditaires pour inclure la police? Ben, là, pour moi, la question est simple. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un festival, un grand festival avec de gros artistes ou des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est important pour vous de reconnaître que des personnes racisées, qu'il y a plusieurs personnes, non seulement des personnes racisées? Je tiens à rappeler aussi la criminalisation du VIH qui est exercée par la police. Ça a aussi une dynamique nocive. Une personne qui a déjà vécu des violences sexuelles qui ont été écartées par la police, ces personnes-là aussi peuvent être affectées par leur présence. Qu'est-ce qu'on les dit
lorsqu'on choisit les commanditaires et les sponsors au lieu des personnes de nos communautés, on fait preuve du même problème. C'est vraiment là où on doit cibler. Si vos sponsors ne le permettent pas, ben, ayez un plus petit festival. Puis, parlez clairement de votre décision parce que c'est justement ça qui va changer les choses. Si la TD vous dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de désinviter la police parce qu'on ne veut pas que notre nom soit associé à ça », ben good, bye-bye, décalisse la TD. Puis, faites un statement assez clair pour dire « La TD a refusé de nous accorder un financement si on ne disait pas que la police pouvait être présente. » Et donc, on a décidé de prendre le côté des personnes dans nos communautés puis de dire « Ça suffit, on va vous défendre avant tout parce que vous êtes des nôtres. » Alors que la police, là, bof, les policiers, ils peuvent arriver à titre personnel à des fiertés, moi, je m'en fiche. Mais dans leur uniforme, là, quel message est-ce qu'on est en train d'envoyer? Bref, je sais qu'on a une autre question, puis très peu de temps. Oui, la prochaine, puis merci, parce qu'effectivement, c'est ce que tu as dit à plusieurs reprises dans ta présentation, c'est de nous rappeler de nos racines radicales. Mm-hmm. Parce qu'on est tellement pris avec le T-dance, puis... montrer le travail du crime, mais les racines radicales sont. Puis il y a un mot à dire par rapport à ça aussi. Tu sais, à quel point je suis tanné d'entendre parler de comme des personnes, des organismes qui vont sortir le nom de Marsha P. Johnson puis Sylvia Rivera pour parler de la réalité. Ah, il faut que nous rappelons de notre histoire, de notre passé comme Marsha P. et Sylvia. M'excuse, là, mais vous connaissez personne d'autre. Vous ne connaissez pas Stormy de l'Arvrie, vous ne connaissez pas, Dorian Corey, vous ne connaissez pas, Pepper LaBeija, vous ne connaissez pas Crystal LaBeija, vous ne connaissez pas toutes ces personnes-là. Pourquoi toujours les mêmes noms? C'est parce qu'on n'a pas pris la peine, parce qu'on est en train de servir de ces personnes-là comme manière de paraître woke alors qu'on ne veut pas vraiment faire le travail. Mais ça suffit, là. On commence à faire le travail parce que nous, on n'en tolère plus. Mm-hmm. Vincent, quel futur vois-tu pour les mouvements de la fierté au Canada? Ben, je dois dire que les fiertés, c'est un truc à double tranchant parce que les organismes de la fierté sont quand même très, très nécessaires dans nos organismes. Je pense, quand je réfléchis sur quand j'ai fait mon coming out il y a 15 ans et le sentiment que j'ai eu en allant vers Fierté Toronto pour la première fois. De voir tout le monde qui est présent, qui fête. Moi, à 15 ans, je ne connais pas la politique de la communauté. Je ne savais pas que Fierté Toronto a été tellement de la merde pour couper Queers Against Israeli Apartheid de leur organisme. Je n'étais pas au courant. Tout ce que je savais, c'est que j'étais entouré des gens qui me célébraient. Je voyais des organismes communautaires, et c'est justement pour ça que je donne beaucoup d'importance à ces mouvements-là. Puis c'est la raison pourquoi j'exige à ce qu'ils font mieux pour travailler pour nous. Les mouvements de la fierté sont nécessaires. Ça a une importance qu'on ne peut même pas imaginer pour les jeunes, et je le vois dans mon travail. De voir les jeunes qui viennent me voir puis qui me parlent de leur première fierté avant qu'ils ont réalisé que le mouvement a été hijacké pour devenir une réalité des personnes cis blanches. Je ne sais pas, honnêtement. Là. J'espère qu'on trouvera un mouvement qui est beaucoup moins orienté vers le capitalisme, qui est pas en train de penser des sponsors puis de l'alcool puis de comment on peut avoir un permis pour pouvoir accéder à des espaces et demander des pièces d'identité à chaque personne qui rentre à la fierté comme on a vu à Toronto avec les zones qu'on pouvait boire dans la rue là. Il faut faire mieux, il faut considérer l'impact de ces genres d'actions là. Puis je pense en prenant les mesures nécessaires, la réponse va devenir claire. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux en question que ça devient un peu difficile. Oui, c'est ça. Merci Vincent, puis merci aux gens qui ont posé la question. Des gens qui voudraient plus de consultations peuvent évidemment payer Vincent et plein d'autres activistes qui peuvent fournir des services très compétents. Avant de finir, j'ai juste un rappel pour tout le monde, puis des excuses. On m'a dit qu'il y a eu quelques difficultés techniques pour la traduction vers
ma salle. Donc, on s'excuse, mais il va voir la version qui va être sur le site web avec les traductions comme il faut. Donc, vous pouvez revenir dans les prochains jours, prochaines semaines pour revoir cette présentation comme il faut. Et aussi un rappel que les séances commencent à 15h03, heure du Pacifique, donc c'est-à-dire dans 8 minutes. Donc, vous avez quelques minutes pour pouvoir vous loguer, choisir vos séances si vous ne l'avez pas encore fait et vous connecter. Merci pour avoir été présent à cette plénière tellement inspirante. Merci, Vincent. Puis, merci pour les 3 derniers jours. Il reste encore un peu, mais on arrive à la fin. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous en tant qu'hôte cette année. J'étais au sommet en 2011, mon premier sommet en tant que rapporteur, puis revenir en tant qu'hôte. Et toutes les années que je reviens parce que j'adore les sommets. Mais c'est vraiment un plaisir d'être ici parmi vous. Donc, c'est l'heure de choisir vos prochaines séances. Au plaisir de se revoir au prochain sommet. Et 15h03, heure du Pacifique, ça commence les séances.